Alors, les amis, cette petite vidéo pour vous dire qu'aujourd'hui je vais participer en tant que citoyenne girondine au 81e salon explication à des habitations à loyer modéré dans notre belle région. Je suis partie à 7h25 ce matin de Langon. Il est exactement 9h50, c'est-à-dire bouchon, 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 bouchon. Je tire mon chapeau à tous ceux qui font la route tous les jours. Waouh, tous ces artisans, tous ces gens qui bossent sur Bordeaux, qui font la route. J'ai mis plus de 2 heures, 7h25, 9h50, pour pouvoir arriver ici au parc des expositions à Bordeaux-Lac. Et bien sur ce, je vous raconterai ce qui se passe, comment ça se passe et tout ça et tout ça. Très très belle journée à vous. Honnêtement, la route, c'est un truc de dingue. Bon allez, ciao. Bonsoir. Alors voilà, j'ai participé au 81e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat. C'était en Gironde. Cet été, il y a eu une ouverture de candidature pour être panel citoyen. Il y avait 33 Girondins. Aujourd'hui, on était 11. Demain, il y aura 11 autres personnes et jeudi aussi. On a rencontré des élus. Des grands élus, des moins grands élus, des gens de tous bords, de toutes les entreprises, toutes ces personnes qui bataillent, toutes ces personnes qui ont des projets pour que l'habitation à loyer modéré soit de mieux en mieux, soit plus accessible, pour qu'on ait en tant que citoyen des droits et des accès, aussi bien pour les papys, les mamies, que pour les personnes handicapées, que pour énormément de monde, les étudiants, enfin les jeunes plutôt. Pour la réinsertion, c'est impressionnant tout ce qui peut se passer. Le plus dur, en fin de compte, ça a été de faire plus de 2 heures de voiture pour y aller, mais alors après, ça a été de découverte en découverte. Je tiens à remercier les élus, toute l'équipe aussi qui nous a reçus, toutes ces personnes avec qui on a déjeuné, avec qui on a été découvrir les stands, tous ceux qui nous ont fait tester un petit produit super sympa pour découvrir ce qu'on peut faire, comment on peut faire, où est-ce qu'on peut faire les demandes. Un grand merci aussi à Monsieur le Président du département, donc Monsieur Jean-Luc Glaize, et ses élus qui ont permis à nous, 33 citoyens lambda, de découvrir l'envers du décor par rapport aux habitations à loyer modéré, comment ça se passe, tout ce qui est mis en place, entre toutes les demandes. Enfin, c'est un truc de dingue. Ils font un boulot ferme formidable. C'est faramineux, c'est un truc de dingue parce qu'ils prévoient sur du très long terme. Il faut toujours prévoir, 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 prévoir. Alors, c'est hyper épuisant, mais c'est hyper instructif. Alors, si un jour, vous aussi, vous avez envie de participer à des panels, n'hésitez pas. On voit l'envers du décor et encore, nous, on n'a pas vu grand-chose. On a écouté, on a découvert des choses et c'est quand même très troublant. Et en fin de compte, tu t'aperçois que les gens, ils bossent quand même comme des dingues pour réussir à apporter du mieux-être aux citoyens. Voilà, la journée a été super longue. Je ne sais pas comment ils font pour tenir pendant 3 jours. C'est impressionnant. Il y a énormément de monde. Il y avait aussi le Premier ministre qui était là. Il y avait d'autres élus. Il y avait quoi? Il y avait qui? Oh là, il y avait plein de gens. Après, moi, c'est vrai que tout ce qui est politique et tout ça, j'y connais absolument rien. Mais enfin, bref, c'était un congrès. C'était énorme. Il y avait plein, plein de monde. C'était très intéressant. Et je pense que c'est bien de se pencher sur certaines choses quand on est citoyen, de découvrir les choses. Et puis moi maintenant j'ai une petite maisonnette là, ça va être mis comme document pour comprendre les choses. Et puis maintenant quand on me parlera pour les jeunes, pour les papys, les mamies, pour les personnes handicapées, ou pour tout un panel de citoyens, je pourrais peut-être aussi, moi, de mon côté, de dire, tiens, tu sais, tu vas sur leur site et tu cliques là, il y aura des informations. Voilà, et ben voilà, moi je fais une petite vidéo pour remercier toute l'équipe. Je suis incapable de donner vos noms, vos prénoms, vos grades, parce qu'en fin de compte, dans ce lieu, tout le monde était égal et tout le monde communiquait avec tout le monde, et ça c'était génial, parce que même si nous on n'est que citoyens, ils nous ont écoutés sur nos petites idées et sur peut-être des choses à changer ou pas. Mais en tout cas, ça fait du bien d'être écouté quand on est citoyen.
Et bien sur ce, je vous laisse. Et puis, n'hésitez pas à aller sur leur site. Bah, il y a le site du département de la Gironde. Il y a énormément d'informations. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de choses, mais bon. Faut oser cliquer et aller regarder les choses. Merci à tous et merci encore à toute l'équipe parce que ça a été vraiment passionnant de toutes ces personnes qui gèrent tout ça. Et ouais, j'ai pas de mots parce que c'est vraiment super. Au revoir et merci beaucoup.